Mounla qui carité, en bas protection à bondier, qui ni répit, en bas l'ombrage à bondier, qui ni tout pouvoir. Moins qu'a dit l'Éternel, c'est vous qui toute défense est fausse en moi. C'est en Adam qui en camette toute confiance en moi. C'est qui qu'a délivré de toutes attrapes à Satan, de toutes maladies qui poutchouent. Il qu'a couvert en bas et l'ail pour rien pas arriver. Fidélité aille c'est en protection et en défense là. Ou pe qui craigne aïen qui qu'a fait moun pelle en nuit, ni malais qui qu'a arrivé la journée, ni maladie qui a caché en ouessé, ni pandémie qui a frappé gros midi. 1000 moun te pe tombé à gauche, 10 000 à droite, aïen pe qui arrivé. Et ou ke ni désir a pour voir tout méchant recevoir sa yo mérité. Parce l'Éternel, c'est eux qui défense en moi. Ou prend bon Dieu qui est en haut en ciel là pour protection. Qu'on malait peut arriver. Kazao qui est toujours protégé. Parce que bas anjaï l'ode de veiller en l'air. Tout côté où passer. Yo qui poté en main à yo ou pied à pas qu'on y est ponche. Ou qui marché à si lion à si ses points. Ou qui crasé gentil lion et puis dragon. Bon Dieu dit, parce qu'il y a mes moins. En qui délivré, en qui protégé, parce qu'il connaît non moins. L'œil qui crie non moins, en qui répondu. Moi qui éveille à dans tout moment difficile, en qui délivré, en qui fait yo respecter. Moi qui fait vivre longtemps, moi qui sauve. Bonjour, Dieu vous bénisse. La question que je voulais vous poser aujourd'hui à tous les spectateurs, spectatrices aussi, est-ce que vous êtes sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que vous êtes gardé sous l'abri du Très-Haut? Car le psaume 91, ele commence en disant, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Et là, il commence à détailler tant de choses. La protection en réalité dans notre vie. Mais la question que je vous pose est, êtes-vous sous l'abri du Très-Haut? Êtes-vous gardé de toutes sortes de mal, mauvais yeux, une mauvaise parole, une mauvaise intention, des personnes qui sont capables de faire quelque chose pour voir votre vie, ou pour vous voir, excusez-moi de vous dire, ramper par terre comme un serpent. Parce que vous savez, il y a des gens qui prennent plaisir dans la souffrance d'autres personnes. Il y a des gens qui sont plaisir, je ne sais pas si cela peut être un plaisir à quelqu'un. Au moment que quelqu'un a perdu quelque chose, au moment que quelqu'un, leur vie ne marche pas, ou qu'il a eu un problème, on dirait qu'il y a des gens qui se réjouirent, qu'elle est contente. Mais si votre vie est sous l'abri du Très-Haut, vous serez protégé de ce mal. Si votre vie est sous l'abri du Très-Haut, cette flèche que la Bible parle dans le psaume 91, cette flèche qui vole en plein jour, la flèche, je disais au peuple, que au moment que quelqu'un prend son arc et qu'il va tirer une flèche, la flèche, elle a une cible, elle va aller directement à une cible. Nous ne prenons pas un arc, on ne va pas tirer une flèche pour aller au hasard comme ça. Non, elle a une cible. Et parfois, vous avez été ciblé, vous avez été touché par cette flèche. En forma d'un problème spirituel, en forma de quelque chose que vous avez perdu, en forma d'un rituel qui a été pratiqué contre vous, contre vos affaires, contre votre famille. Je voulais vous demander de regarder attentivement cette vidéo que je voulais vous montrer. Attention, attention. Cette vidéo que nous allons vous montrer, c'est une mise en scène. Ce sont des personnes qui ont fait une mise en scène afin de pouvoir nous montrer ce qui se passe véritablement
lorsque la personne est victime d'un rituel, de quelque chose, jalousie. Parfois, vous voyez que votre vie avance. Avant n'avançait pas, aujourd'hui avance. E vous trouvez tout de suite des obstacles, des choses qui vont empêcher votre vie d'aller de l'avant. Nous avons préparé une vidéo, je répète encore une fois, une mise en scène. Nous avons préparé une vidéo pour vous montrer ce qui se passe lorsque la personne ne se trouve pas sous l'abri de Dieu. Si elle n'a pas sous l'abri de Dieu, si sa vie n'est pas sous l'abri de Dieu, elle court le risque. Et parfois vous dites comme ça, au pasteur, je ne sais pas de quelle façon vous nous appelez. Parfois vous dites comme ça, est-ce que ce genre de choses existe véritablement? Acompanhez attentivement cette vidéo et je reviens dans quelques instants. Copine, tu as vu l'habitude de Madame Fifi, comme elle est remplie tous les jours? J'ai bien remarqué, copine. Moi, je ne sais plus quoi faire, vraiment. Tu savais que même ma dernière cliente, qui venait chez moi acheter, elle achète là-bas aussi? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Maintenant, personne ne vient dans ma boutique. Copine, tu dois ouvrir les yeux. Ouvre bien tes yeux. Tu as compris? Mais qu'est-ce que je peux faire? La vie est comme ça. Que puis-je faire? Je connais quelqu'un, on a droit, on fait des rituels. Là-bas, on fera un rituel. Et son affaire va fermer. Je ne peux pas te dire quel genre de rituel, mais on te donnera un billet. Et ce billet, tu l'auras même pour demander de la monnaie. Et son affaire va fermer. Tout de suite, son affaire va fermer. Pour ne plus ouvrir. Et ça marche? Ça marche. Voisine, j'ai besoin de monnaie. Ne t'inquiète pas, voisine. Je ne me sens pas bien. Ça doit être la chaleur. Prends ta monnaie. Que serait de ma vie? L'argent, dès que je le touche, il disparaît de mes mains. Rien ne reste avec moi. Mes clients sont tous partis. Aucun ne vient plus acheter chez moi. Comme si ce n'était pas suffisant. J'ai des dettes à la banque et aux fournisseurs. Comment sera ma vie? Je ne sais pas du tout comment elle sera. Rancune vs pardon. Le dictionnaire définit la rancune comme un sentiment d'animosité durable et caché. Elle est souvent accompagnée du désir de se venger, de faire du mal. La rancune agit cachée comme une racine qui ne produit que ce qui est mauvais et destructeur. La personne rancunière est nerveuse et agressive. Bien qu'elle ne veuille pas être ce type de personne, elle est animée par cette colère, cette haine dans son intérieur. La seule arme capable de déraciner ce sentiment est le pardon. C'est la seule option que le Seigneur Jésus nous laisse face à ce fléau. Pardonner est un acte reconnu par Dieu.
et qui lui est agréable. Et si le désir de pardonner existe en vous, Dieu ne vous laissera pas sans force. Il vous rendra capable. Mais vous devez être courageux et prendre l'attitude d'aller demander pardon, que vous soyez coupable ou non. Vous avez bien remarqué ce qui se passe avec la personne qui n'est pas sous l'abri du Très-Haut. Vous avez remarqué que lorsque la personne elle est sous l'abri du Très-Haut, elle est gardée par l'Éternel. Comme la Bible parle dans le psaume 91, il y a la flèche qui vole en plein jour, mais la Bible parle aussi de la terreur nocturne, des personnes qui se sentent tourmentées, perturbées. Elles n'arrivent pas à dormir, c'est des cauchemars. Et parfois, ces cauchemars deviennent réalité dans la vie de tant de personnes. Parfois, ces cauchemars deviennent réels dans la vie de tant de personnes aujourd'hui. Je voulais que vous fassiez très attention, que vous preniez soin de votre propre vie. Lorsque nous vous invitons à venir participer de la réunion de délivrance ici au centre d'accueil universel, ce n'est pas pour nous, c'est plutôt pour vous. Parce que moi, je parle de moi. Je peux parler de moi. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil universel, avant de connaître la foi, avant de connaître Jésus, ela était aussi par terre. Ela était aussi catastrophique, critique. À l'exemple de la vidéo que nous avons vous montré tout à l'heure. Vous avez vu la voisine jalouse de l'autre voisine, parce que l'autre les a fait marcher, et pour elle ne marchait pas, jusqu'au point de pratiquer quelque chose pour voir la vie de l'autre personne par terre. Malheureusement, si notre vie n'est pas sous l'abri du Très-Haut, mille vont tomber sur nous, et de mille encore sur nous, et la personne, elle sera atteinte par tant de choses. Aujourd'hui, nous avons ici au centre d'accueil universel le grand défi de la croix. Et je voulais vous montrer cette vidéo, afin que vous fassiez très attention, le spot qui parle, les 10 symptômes. La personne qui parfois, elle sent quelque chose, et ela déjà constaté que ce n'est pas du tout normal. Écoutez bien une chose, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez la table de votre maison. Une chaise, une table. Et s'il y a un problème avec la table, le pied de la table est cassé, vous allez faire appel si la table est en bois au menuisier. Et il va, je ne sais pas, réparer la table, ou s'il dit on ne peut plus réparer, vous aurez la condition d'acheter un autre. Ce sont des problèmes que nous pouvons résoudre. Nous pouvons faire appel à quelqu'un pour pouvoir résoudre ces problèmes. Mais il y a des choses qui arrivent dans la vie de la personne que seulement Dieu est capable de vous aider et de résoudre vos problèmes. Acompagnez cette vidéo et je reviens d'ici à quelques instants. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité, peur, vision d'ombre, sentiment d'oppression, fatigue constante, insomnie, maladie inexpliquée, addiction, dépression, envie de suicide. Si dans votre vie il existe un ou plusieurs de ces symptômes, participez aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Mon témoignage, c'est par rapport à mon fils qui était malade. Il souffrait de mal au ventre, il vomissait tout ce qu'il mangeait.
Il souffrait aussi, il perdait des connaissances, il tombait dans le pomme. Du coup, je suis allée ramener à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'ont dit qu'il n'avait rien. Malgré les examens qu'ils ont faits, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont donné le médicament. J'ai retourné à la maison. J'ai continué à lui donner le médicament. Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. On est retourné encore la deuxième fois. La deuxième fois, on est allé, c'était la même chose. Le docteur, ils font des examens, ils cherchent qu'est-ce qu'il avait en gros qu'il fait tomber dans le pomme. Ils m'ont dit que c'est peut-être c'est à cause du froid, malgré l'hiver, c'est à cause de l'hiver. Du coup, ils m'ont donné encore des médicaments. J'ai retourné à la maison et ça a duré 4 mois. 4 mois, ils souffraient de la même chose, ça n'arrêtait pas. J'étais révoltée en allant au centre d'accueil universel. Du coup, j'ai pris l'huile et j'étais tellement révoltée. Quand je suis arrivée à la maison, je lui mettais de l'huile sur la ventre. Je lui donnais dans le boisson ou dans l'eau. Dès qu'il pouvait, j'étais révoltée. Je faisais la prière. J'ai déterminé que mon fils allait guérir. Du coup, à un moment donné, ça recommençait encore pire, ça empirait. Il tombait dans le pomme, 15 minutes, il ne se réveillait pas. Du coup, j'ai continué dans la prière. J'étais vraiment révoltée. Du coup, je l'ai pris. Je l'ai ramené à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont fait des examens. Ils ont fait tous les examens qu'ils avaient fait déjà avant. Et là, ils ont découvert que le petit, il avait des cailloux dans l'estomac. Il avait des sangs qui coumoulaient dans l'estomac. Qui c'était vraiment grave. Ils ont dit que c'est ça qui se fait tomber dans le pomme. Il avait même la convulsion. Du coup, là, c'est à travers l'huile que j'ai utilisée. C'est à travers ma foi que j'ai utilisée. J'ai agi ma foi. Et là, ça a marché. Ils ont découvert tout. Ils ont donné les médicaments. Depuis ce jour-là, plus jamais. Il n'a plus jamais tombé dans le pomme. Il n'a plus jamais vomi. Il est en bonne santé, tout va très bien. C'est pour cela que la Bible parle que la foi, c'est une ferme assurance. Voyez? Ce n'est pas à cause de l'huile, c'est plutôt à cause de la foi de cette femme que elle a été bénie, que elle a eu les résultats pour elle et aussi pour son enfant. La foi, la Bible dit, une ferme assurance. Cette ferme assurance que nous donne la possibilité d'être sous l'abri de Dieu. Cette ferme assurance que nous donne la possibilité de briser n'importe quel problème, quel mal, c'est vrai. E lógico, nous parlons de briser n'importe quel mal, nous parlons d'une situation spirituelle. À l'exemple de l'esporte que vous avez accompagné tout à l'heure. Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes que a été dit tout à l'heure, un mot de tête constant, la dépression, la oppression, parfois la personne a envie de se suicider, parfois elle sent la présence de quelqu'un dans sa maison, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin non seulement d'aide physique, mais aussi de l'aide spirituelle. Venez participer aujourd'hui à cette grande réunion de délivrance spirituelle que nous aurons ici aujourd'hui, toute la journée, 7h du matin, à 10h, à 15h et aussi à 19h. Et sachez d'une chose, si votre vie est sous l'abri de Dieu, peu importe ce qui sera réalisé contre vous, peu importe la parole que sortira de la bouche de A, de B e de C. Lorsque nous sommes sous l'abri de Dieu, mille vão tomber sur notre gauche, de mille vão tomber sur notre droite, e Dieu va toujours nous garder. Dieu va toujours nous protéger. Nous vous invitons à venir aujourd'hui participer de cette grande réunion de foi et de délivrance ici au Centre d'accueil universel. Sachant que nous avons aussi notre Centre d'accueil universel à Pointe-à-Pitre, nous avons aussi à Baïf, à Saint-François, à Martinique, en Guyane française, en Cayenne, Kourou. Nous avons notre église que les portes sont ouvertes afin de pouvoir vous accueillir, afin de pouvoir vous recevoir e vous montrer
que lorsque não atrevia, encore une fois je parle, hein? É sur la bride de Tréor, nous serons gardés de la peste, de la contagion, de la flèche que vole en plein jour, nous serons gardés de la terreur nocturne, du ténèbre, nous serons gardés par tous ces gens de choses qui essayent de nous mettre en bas. Mais il y a un Dieu qui nous prend par la main et va toujours nous relever. Avez-vous besoin de délivrance? Avez-vous perdu quelque chose? Parce que vous sentez que vous avez été victime d'un rituel? Avez-vous perdu quelque chose et vous savez que cette perte, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable? Non, ce n'est pas ça. Vous savez que depuis tel jour, depuis que telle chose a été pratiquée, vous savez qu'à partir de ce jour, vous avez commencé à perdre. Perdre l'envie de vivre, perdre, vous n'avez plus envie d'aller au travail. Vous êtes une personne que vous vous sentez seule, déprimée, abattue. Aujourd'hui, nous aurons cette grande réunion de foi et de délivrance qui va vous aider à aller de l'avant. Nous allons accompagner les spots qui partent de la prière. Préparez votre bouteille d'eau, votre verre d'eau et nous allons clamer à Dieu en votre faveur. Parlez avec Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Il est notre force pour surmonter toutes les difficultés. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur qui nous a dit là dans le psaume 91, que lorsque nous sommes sous l'abri de Tréhaut, nous avons du repos, Seigneur. Mon Dieu, il y a tant de personnes, Seigneur, que ça fait un moment qu'elles ne savent même plus ce que ça veut dire avoir du repos, avoir un sommeil paisible, avoir une vie bénie, avoir, Seigneur, la paix dans sa maison, la paix dans son travail, la paix avec ses enfants. Il y a des gens, Seigneur, qui sont tourmentés par un mal. Il y a des gens qui sont tourmentés, Seigneur, par une voix qui parle, que pour lui, pour elle, n'a plus de solution. Je te demande, Seigneur, viens en ce moment visiter à toutes les personnes qui nous accompagnent. Il y a des gens qui nous accompagnent de sa maison. Il y a des gens qui nous accompagnent allongés dans les lits, dans l'hôpital. Il y a des gens, Seigneur, qui ont déjà frappé tant de portes. Elle a déjà essayé un peu de tout dans cette vie jusqu'à présent. Il n'existe pas de solution. Mais je te demande, Seigneur, accorde la force, le courage, guéris ceux qui sont malades. Accorde, Seigneur, à cette personne que nous acompanha en ce moment, la bénédiction, la délivrance, qu'elle soit libre de toute sorte de problèmes spirituels e que ela soit bénie au nom de Jésus. Bénis son travail, bénis mon Seigneur sa famille, bénis mon Dieu toutes les autorités ici en Guadeloupe, bénis mon Dieu toute l'équipe médicale qui sont là en train de lutter pour pouvoir sauver d'autres personnes. Seigneur, protège la Guadeloupe, protège ton peuple, protège à toutes les personnes. Car ainsi nous croyons et nous déterminons au nom de Jésus. Consacre béni, mon Dieu, la bouteille d'eau, le verre d'eau que cette personne te présente en ce moment. Et lorsqu'elle va boire de cette eau, mon Dieu, donne à cette personne un signe, mon Dieu, un signe de ce que tu es capable de réaliser dans sa vie. Ainsi je crois, je détermine au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Vivez un peu de cette eau, s'il vous plaît. Graça. Amém. Meus amigos, nous arrivons à la fin de notre émission Foi en Action e nous vous attendons ici au centre d'accueil universel.